163 milliards de francs CFA pour l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés, c'est le résultat du partenariat entre le Burkina Faso et la Banque mondiale. Les fonds sont destinés à la mise en œuvre de deux projets dans les domaines de la mobilité urbaine et de l'autonomisation des femmes. La signature des accords de financement est intervenue cet après-midi entre le ministre burkinabé de l'économie et des finances et la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Sahel. Des détails avec Karim Bitienga. Signature, puis échange de paraffeurs et le Burkina Faso bénéficie de 163 milliards de francs CFA du groupe de la Banque mondiale, des fonds octroyés sous forme de prêts pour la réalisation de deux projets. Le premier est le projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires, d'un coût de 118 milliards et demi de francs CFA. C'est un projet qui consiste à faciliter la mobilité urbaine dans des villes pilotes qui ont été identifiées. Il s'agit de Bobo Dioulasso, de Waiguya et de Kaya. Alors la mise en œuvre de ce projet va permettre d'améliorer la mobilité urbaine au niveau de ces villes parce que, voilà, en tant que département en charge de ces questions, nous mesurons avec acuité les problèmes qui se posent en matière de mobilité urbaine. Et je pense que ce projet viendra apporter une réponse efficace à cette problématique-là. Le second projet objet de ces accords de financement est le projet régional d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques plus. Il vise l'accroissement de l'accès des filles et des femmes à l'apprentissage et aux opportunités économiques. Aussi, l'égalité des sexes est quelque chose qui est central à la Banque mondiale et le projet Suède essaye de soutenir le Burkina Faso dans ses efforts de soutenir les filles et les femmes à travers un meilleur accès à l'éducation, aux services de santé et opportunités économiques. Le financement du projet régional d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques plus s'élève à 44 milliards et demi de francs CFA. Avant ces conventions, deux autres projets et un programme ont fait l'objet d'accords de financement entre le Burkina Faso et le groupe de la Banque mondiale en mai dernier.